Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Salvador. Nous allons parler particulièrement de son président visionnaire pro-Bitcoin, qui est Nayib Bukele. Alors, c'est une vidéo assez intéressante, une vidéo que je dirais une vidéo documentaire. Alors, de temps en temps, nous faisons ce genre de vidéo éducative pour permettre à tout un chacun dans le monde de la crypto-monnaie, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de comprendre l'économie dans sa généralité et en particularité, voilà, les crypto-monnaies et leur impact, voilà, dans le monde réel. Voilà de quoi il est question aujourd'hui dans notre vidéo. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, ce matin, nous parlons de Nayib Bukele qui vient de voir sa réélection, voilà, à la présidence du Salvador. Alors, qui est Nayib Bukele? Alors, Nayib Bukele est un président pro-Bitcoin, voilà. Il est né en 1981 au Salvador. Alors, il devient aussi un personnage emblématique du Salvador dans le paysage politique salvadorien. Voilà. Et donc, Nayib Bukele est le fils de Armando Bukele. Son origine aussi diverse aussi. Voilà, son père est d'origine diverse. Grands-parents paternels chrétiens palestiniens. Grands-parents maternels catholiques orthodoxes. Voilà, c'est son papa. Alors, Nayib fait ses études à l'Université d'Amérique centrale. Il abandonne ses études pour fonder sa première entreprise à 18 ans. Donc, à 18 ans, il arrête ses études pour se lancer dans l'entrepreneuriat en créant sa première société. Il dirigea aussi ensuite Yamaha Motors du Salvador. Voilà. Ça, c'est le fils Bukele, voilà, qui fait ceci. Alors, notons aussi que son père était un homme d'affaires. Aussi, qui a aussi fait plusieurs affaires, a fondé aussi plusieurs entreprises dans le domaine du textile, des médias, des produits pharmaceutiques. Alors, ce qui a aussi donné l'engouement de l'entrepreneuriat au fils. Alors, aussi, lui aussi qui suit les traces du père, mais à partir de 18 ans, lui, il arrête ses études universitaires et se lance, voilà, dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et ensuite, voilà, va continuer sa carrière politique. Avant d'y arriver, déjà, notons que voilà, son père était chrétien au départ et son père s'est converti à l'islam et est devenu l'un des plus grands imams respectés au Salvador. Alors notons-le, voilà, ayant grandi dans un tel climat, voilà, religieux, alors tout cela aussi donne aussi, alors, au fils aussi, alors la faculté aussi de pouvoir converser dans, voilà, dans la culture, de pouvoir aussi, voilà, parler dans plusieurs communautés religieuses aussi, en ayant aussi attiré aussi pas mal de personnes autour de lui aussi. Alors, sa carrière politique débuta en tant que maire en 2012 dans la ville de Nueva Costalan. Alors, il donne des bourses d'études, voilà, en tant que maire de cette ville en 2000. Il donne des bourses d'études aux jeunes les plus défavorisés. En tout cas, il donne des bourses d'études. Et aussi, il va même jusqu'à faire des kits alimentaires, voilà, des paniers, voilà, alimentaires qui distribuent, voilà, aux plus âgés, aux personnes âgées. Tout ça, voilà ce qu'il a fait en tant que maire. En 2018, son parti unique est créé, son parti politique est créé, voilà. Alors, ce parti-là s'appelle Nueva Idea. Alors, Nueva Idea, alors c'est quoi? C'est la nouvelle idée, ce sont les nouvelles idées qui viennent, voilà, parce que il veut quitter cette façon de penser traditionnaliste, voilà, des conservateurs pour créer de nouvelles idées. C'est là qu'il a lancé, voilà son parti politique. Et en 2019, il est devenu le président du Salvador. Alors, en tant que président aussi, alors il a fait des choses positives. Notons qu'il a, et à cette période-là, alors il a eu plus de 53% des voix, voilà, lors des élections. Les actes positifs qu'il a posés,
Alors, notons ici qu'il a réduit le taux de criminalité avec plusieurs arrestations, plus de 115 000 arrestations, alors réduisant ainsi le taux de mortalité, le taux de meurtre. Voilà, il a renforcé aussi la sécurité du pays. En 2021, le Salvador, alors sous son règne, on va dire sous son pouvoir, devient, voilà, le 7 septembre 2021, le premier pays à légaliser le bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale à côté du dollar. Malgré la pression de la FMI qui déconseillait au Salvador d'adopter une telle trajectoire, alors le président est resté ferme sur sa décision en allant résolument en adoptant, et cela a passé, voilà, voilà, presque à l'unanimité, voilà, au niveau politique, on va dire, au niveau de l'Assemblée salvadorienne. Alors Bukele continue de défendre le Bitcoin, il est devenu un ambassadeur du Bitcoin, créant ainsi une adoption, voilà, généralisée autour du Bitcoin au Salvador, en créant quoi? Alors, une application qu'on appelle le Chivo. Alors aussi, ce Chivo, non seulement vous pouvez l'avoir à partir de votre smartphone. Pourquoi? Parce que le Salvador a un taux, voilà, de population non bancarisée assez élevé. Et donc, grâce à l'application, on va dire pratiquement toute la nation peut se bancariser, parce que grâce à cette application, vous avez un compte bancaire, voilà, et tout ça, c'est intéressant, voilà, et voilà ce que le pays recherchait, comment permettre à toute la nation d'avoir accès aux finances et par tous les services qui s'offrent avec les lourdeurs bancaires. Alors il fallait passer par le Chivo et grâce au Bitcoin. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a permis à une entreprise américaine d'envoyer des distributeurs, voilà, au niveau du Salvador. Plus de 15 000 distributeurs, voilà, de Bitcoin ont été importés au niveau du Salvador sous l'impulsion du président Bukele. Voilà tout ce qu'il a mis en place. Réduction des frais de transfert, voilà, nationaux et internationaux, on va dire transfrontalières. Pourquoi? Parce que le Salvador, si vous ne le savez pas, alors, a une diaspora, alors, qui envoie beaucoup d'argent au pays. Alors, plus de 50% du PIB sort de cette diaspora qui expédie de l'argent au niveau du Salvador. Et les frais étant énormes grâce à l'application Chivo et au Bitcoin, et tout ce qui entoure les crypto-monnaies, alors tout cela a réduit les frais d'échange international transfrontalier grâce au Bitcoin et au Chivo, à l'application Chivo. Et aussi, il allait encore plus loin pour permettre à la population jeune qui ne maîtrise pas aussi, on va dire, les nouvelles technologies, pour les permettre, pour les inciter à adopter cette nouvelle technologie, alors il a mis en place un fonds public assez important. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, un fonds public. Il a mis cela en place. Et ce fonds public-là permettait à faire quoi? Ce fonds public permettait à chaque citoyen de recevoir, voilà, autour de 30 dollars, voilà, sur son application. C'est-à-dire que dès que vous partez et vous téléchargez l'application Chivo, alors vous bénéficiez automatiquement de 30 dollars directement, voilà, sur votre portefeuille Chivo, qui vous permet de pouvoir utiliser. Par exemple, tu peux dire que bon, j'ai envie de télécharger, mais j'ai pas d'argent, je sais pas comment on l'utilise. Alors le président te dit calme-toi, il a mis en place un fonds, voilà, un fonds public. Tout ça aussi a été, il faut le dire, a été déconseillé par le FMI, qui disait que comment le Salvador, qui est en train de se chercher, va venir mettre un fonds public en place pour inciter les gens à adopter le Bitcoin. Et il a fait quand même. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a fait. Et ce fonds-là, toute la population en a bénéficié, permettant ainsi, voilà, à toute personne qui a cette application-là de pouvoir bénéficier. Il a mis en place 200 millions. Ce fonds-là, c'était 200 millions de dollars, ce qui fait environ 125 milliards de francs CFA qu'il a mis à disposition de la population. Par exemple, dans les prix en dollars, certains ne voient pas. Donc, j'ai dit ça en francs CFA ici pour les francophones. Alors, pour dire 125 milliards de francs CFA, pratiquement, ont été mis à disposition de la population directement dans le Chivo pour que chaque personne qui a cette application puisse bénéficier au moins de 30 dollars. C'est-à-dire que toute la population a bénéficié de ça. Voilà ce que le président a fait pour inciter les gens à utiliser le numérique, par ricochet, les crypto-monnaies. Et donc, il continua aussi
En 2021, alors le Salvador a commencé à acheter aussi le Bitcoin. Alors, avant que le Bitcoin ne commence à monter, ils ont commencé à acheter. Ils avaient payé au départ 80 Bitcoins à hauteur de 19 000 $. Voilà. Et donc, quand le Bitcoin est monté jusqu'à 69 000 $, ils ont vendu une partie de ces Bitcoins-là pour créer des écoles et des hôpitaux. Voilà un président trader. Un président qui fait du swing trading. Donc, il a vendu une partie, voilà, pour pouvoir construire des établissements scolaires, voilà, éducatifs et des hôpitaux pour les Salvador. Voilà ce que le président a fait. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore. Lorsque le Bitcoin a chuté après, alors de 69 000 $, il est descendu dans les 20 000 $, il a commencé à en acheter encore, voilà, une quantité. Alors, à cette période-là, il avait cumulé 2381 Bitcoins qu'il avait cumulé au cours de la baisse encore. Il a cumulé. Voilà. Et tout ça, il a pris les fonds publics pour pouvoir acheter. Voilà, parce qu'il a prévu de faire beaucoup de choses avec le Bitcoin. Et donc, voilà ce que le Salvador a mis en place. C'est vraiment extraordinaire. Voilà ce que le Salvador a commencé à faire. Disons que quand nous voyons tout ceci, alors cela est un signal fort. Un signal fort pourquoi? Un signal fort pour inciter tous les pays à suivre le pas du Salvador. Ainsi, en 2021 aussi, 44 pays se sont rendus au Salvador pour aller comprendre comment est-ce que le président a fait pour adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale et a commencé à créer vraiment de la richesse au Salvador, à attirer même des investisseurs qui ont commencé à venir investir beaucoup au Salvador dans plusieurs infrastructures, que ce soit les barrages, que ce soit, pour la sécurité. En tout cas, pas mal d'entreprises ont commencé à venir au Salvador. Et le Salvador continue ses exploits en attirant encore vraiment plusieurs investisseurs au niveau du Salvador par des mesures incitatives. Et le président envisage de faire quoi encore? Il envisage de créer une ville. Une ville crypto, une qu'on appelle Bitcoin City. Alors le président, avant sa réélection le dimanche dernier, avant ça d'abord, il avait d'abord rendu démission. Nous avons fait déjà une vidéo sur ça. Alors quand le président a rendu démission pour respecter la constitution nationale, il a fait cela en prélude d'être réélu encore. Et donc, quand il a fait cela, il allait se préparer pour respecter la transition. Et donc, il est revenu maintenant et il s'est présenté aux élections et il a remporté cette fois-ci avec un taux de plus de 87% des voix. Voilà ce qu'il a fait. Et donc, c'est un record, voilà, qui n'a jamais été fait au niveau du Salvador. Alors, ce président pro-Bitcoin ne veut pas s'arrêter là parce que sa mission, s'il n'avait pas démissionné pour le faire, qu'est-ce qui allait se passer? On pouvait prendre notre président qui n'est pas pro-Bitcoin et tous les efforts que le président a fait, il allait revenir mettre ça en question encore. Alors lui, il a envisagé de continuer sa mission et donc stratégiquement, il a démissionné, revenu se positionner, voilà, être réélu ce dimanche passé, voilà, le 4 février dernier, il a été réélu et donc pour pouvoir continuer sa mission, celle de rendre le Salvador, voilà, comme un pays vraiment très émergent. Et donc, avant cela, après, c'est-à-dire pour pouvoir avoir aussi les fonds pour le Bitcoin, c'est-à-dire que la ville Bitcoin City, il a mis en place ce qu'on appelle le Volcano Bond. Alors, ce sont des obligations nationaux, alors, à hauteur d'un milliard de dollars, à hauteur d'un milliard, plus de 629 milliards de francs CFA, alors que le Salvador veut mobiliser pour créer cette ville. Et donc, il met en place des obligations d'État à hauteur d'un milliard de dollars. Voilà comment les fonds vont venir pour construire cette ville. C'est un président visionnaire, comme je le dis. Alors, c'est pourquoi nous avons fait... Alors, nous sommes en train de faire cette vidéo-là pour permettre aux gens qui ne savent pas d'abord la puissance de la crypto-monnaie et de voir aussi un président visionnaire qui va vraiment au-delà de nos pensées, qui vise très loin. Alors, parce qu'il sait que le Bitcoin est une valeur sûre, surtout avec l'approbation de ces ETF qui ont été approuvé par la SEC américaine, cela vient donner encore raison au président d'avoir compris ça depuis 2021 que le Bitcoin allait rentrer plein pied dans l'économie traditionnelle. La FMIQ déconseillait cela, alors qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Alors le président a vu tout cela loin
comme aussi le président de la Centrafrique aussi, le professeur Akanji Touadéra, aussi qui a adopté aussi voilà, le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale côté du franc CFA, voilà, là-bas, à partir du 27 avril 2022, eux aussi, ils ont suivi le pas. Donc, nous avons deux pays, le Salvador et la Centrafrique, qui sont les pays du Bitcoin. Alors, vous pouvez aller interagir là-bas au cas où vous avez pas mal d'argent et que vous avez voilà, des restrictions voilà, au niveau de vos pays. Au Salvador, nous pouvons tout payer avec la crypto-monnaie. Vous devez le savoir, comme la manière ça se passe à Dubaï, avec vraiment toutes les commodités et, voilà, réglementaires qui sont autour. C'est la même chose au niveau du Salvador. Toutes les institutions d'État, alors obéissent aux différentes lois, voilà, adoptant, incitant. Il a même, au départ, même encore, pour inciter les investisseurs à venir au Salvador, il a créé ce qu'on appelle des mesures incitatives en faisant quoi? En exonérant d'impôts tous les entreprises qui vont venir voilà, au Salvador pour vraiment s'installer. Voilà des choses qui se passent là-bas. Notons aussi qu'il y a, déjà, on va dire, presque une ville qu'on appelle Bitcoin Beach. Alors, Bitcoin Beach alors, a vu aussi, à ses débuts, un donateur a envoyé voilà, plus de 300 000 dollars à la ville. Voilà, mais simplement en Bitcoin et donc pour que la ville se développe. Et ça, là, ça devient déjà comme une petite entité, voilà, qui est là-bas, où on n'utilise que le Bitcoin dans cette zone, à Bitcoin Beach. Alors, ils ont même utilisé la technologie qu'on appelle le Lightning Network pour pouvoir lancer une application aussi sur, comment on appelle aussi, à part le Chivo. Alors, il y a une autre application, sur le Bitcoin là-bas, voilà, passant par la technologie Lightning Network, qui permet d'utiliser cette technologie. Alors, notons aussi que en 2023, alors, le Salvador a créé plus de 6 000 écoles, 6 000 écoles qui ont vu désormais, en ce qui vont être désormais, où le Bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain sera enseignée dans plus de 6 000 écoles depuis la rentrée 2023. Alors, cela a été mis en place au Salvador. 6 000 écoles où on va aller enseigner aux enfants, voilà, c'est-à-dire que du primaire jusqu'à l'université, on enseignera désormais le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain dans son entité. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même appelé encore des jeunes Français experts dans le domaine de la technologie Bitcoin et du Lightning Network à venir implémenter cela encore. Mais cette fois-ci, alors, 50 jeunes ont bénéficié d'une formation très accrue aussi sur la technologie blockchain. Désormais, des développeurs, ces personnes-là, alors, ils ont mis en place le premier, tontine, voilà, on va dire national. Est-ce que vous comprenez? Premier tontine national, grâce à cette technologie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une inclusion financière qui se passe, mais en interne. Comment ça se passe? C'est-à-dire que on met en place une tontine géante qui est basée sur la technologie blockchain et en passant par le Lightning Network, tout le monde peut avoir accès à un prêt bancaire. Voilà, chacun cotise chaque mois ou bien chaque jour, ça dépend. Vous avez votre portefeuille numérique, vous cotisez. Et donc, vous cotisez, ça comme ça va dans une cagnotte géante, une tontine géante où toute la population peut interagir. Toute la population, il n'y a pas de restrictions, voilà, à cause religieuse, il n'y a pas de restrictions, voilà, niveau bancaire. Tout le monde peut avoir un prêt bancaire, si on veut le dire, un prêt blockchain. Grâce à cette application du Lightning Network. Et ils ont tout fait pour instruire les 50 jeunes qui ont été formés là. On les a instruits de sorte que ça puisse intégrer toutes les écoles aussi, toutes les universités puissent profiter, tout le monde puisse profiter de cette tontine géante. C'est une première mondiale. Ça ne s'est jamais produit ailleurs d'abord. Ça, c'est au Salvador que ça a été fait. Avec toute cette information, alors, vous devez comprendre là que c'est un président visionnaire. Voilà pourquoi nous dédions cette vidéo spécifique au président Bukele, qui est un visionnaire. Et nous espérons que les 44 pays qui ont fait le déplacement au Salvador, alors au fur et à mesure des années, alors nous allons voir aussi une adoption. Nous allons voir aussi ces pays-là qui vont adopter aussi le Bitcoin. D'ici cela, alors toi, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à l'impact, puisque aujourd'hui, voilà les 11 ETF qui ont été approuvés.
Alors le Bitcoin est rentré maintenant dans la liste des 8000 actifs numériques spéculatifs comme étant, voilà, l'une, on va dire, des monnaies, on va dire, voilà, on ne pourrait même pas dire selon BlackRock, la devise la plus importante, voilà, pour les spéculations. Alors, toute entreprise qui veut évoluer doit rentrer plein pied dans le Bitcoin à travers ce qu'on appelle la tokenisation des actifs réels. Voilà ce que la technologie blockchain va apporter. Et toi, que fais-tu devant toutes ces informations utiles, voilà, qui vont venir agrémenter, qui vont venir changer le quotidien, qui vont venir changer le visage de l'économie mondiale? Et c'est en prélude, vous êtes informé et donc vous devez prendre part vraiment à ce bouleversement économique. Mais pour que cela arrive, il faudrait passer par une formation. Alors c'est ce que le président a fait. Voilà, en invitant les experts à venir former 50 jeunes qui vont nationaliser les informations, ils vont prendre cela et ils vont implémenter à travers encore plusieurs universités et collèges et tout ce que vous savez, et pour ça, pour le bien-être de la population. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent interagir, comprendre tout ceci dans sa profondeur encore davantage et encore plus d'explications, voilà, au niveau, on va dire, voilà, mondial, au niveau national, même si vous voulez, au niveau personnel, tout ça, alors c'est en formation que nous allons pouvoir développer, parce que il y a beaucoup encore à dire, mais nous ne pouvons pas tout dire ici, voilà. Et donc, on vous invite à venir à la formation. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Venez interagir vraiment pour tirer votre épingle de ce bull market, voilà, qui pointe déjà du nez 2024-2025. Alors, vraiment, ne soyez pas de ceux à qui on va venir raconter. Ne soyez pas vraiment des témoins oculaires qui vont regarder à distance comme tu es en train de regarder quelque chose à la télé. Mais soyez des acteurs que les autres vont regarder et vont vous envier pour dire, voilà quelqu'un qu'on traitait de fou parce qu'il s'occupait de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on le voit comme un héros, on le voit maintenant comme un visionnaire. Et c'est la même chose. Voilà le FMI qui a même allé jusqu'à dire, on va vous donner $1 milliard si vous sortez de l'écosystème des crypto-monnaies et vous révoquez votre décision de pouvoir adopter le Bitcoin. Le président a refusé. Il dit, vous allez me donner $1 milliard. Non, bon, d'accord. Je vais vous montrer que moi, je peux mobiliser $1 milliard sans demander prêt. C'est là qu'il a lancé les obligations qu'on appelle Volcano Bond. Voilà, les obligations d'État. Et les gens courent dessus comme des petits pains. C'est même pas du jeu. Et c'est celui-là qui vont dépasser $1 milliard. Voilà, c'est du crowdfunding qui ne dit pas son nom. Voilà le président visionnaire qui a compris vraiment toute la largesse des crypto-monnaies. Et toi, en tant qu'individu, tu as compris cela? Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tirer ton épingle du jeu de tous ces milliards qui vont migrer vers les crypto-monnaies? Alors, donc, pour les formations physiques, la conférence physique, voilà, au niveau d'Abidjan, ce sera le 17 février 2024. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth, à la bourse du travail de Trècheville. Voilà, là encore, on va encore rentrer dans les détails pour vous donner encore plus d'informations aussi, et aussi pouvoir répondre aussi aux différentes préoccupations. Et donc, venez avec ceux que, voilà, qui vous briment dans les différents quartiers. Si vous payez les 5000 francs, les 5000 francs seulement, voilà, vous payez, voilà, il faut m'accompagner, il y a une conférence là, voilà, c'est sur les crypto-monnaies. Bon, il y a un coach là, il va vous expliquer. Et c'est là, quand il va quitter là-bas, il va rentrer en transe. Peut-être même avant de quitter là-bas, il va commencer à payer. C'est ça. Quand celui qui était aveuglé, une fois que son œil s'ouvre, il devient plus dangereux que toi-même encore. D'accord. Donc, après cette conférence, nous aurons une formation physique. Et cette formation physique, c'est prévu le 30 mars 2024 à la bourse du travail de Trècheville. Allez interagir toujours avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Après là-bas, nous allons partir à Bengourou le 24 février, toujours, voilà, avec le leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau d'Abengourou. Après Abengourou, nous allons partir à San Pedro le 15 et le 16, voilà, le 16 mars
voilà, 2024, voilà, avec le leader Tébi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous partons au niveau du Burkina avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Et cette formation se tiendra le 27 et le 28 avril prochain, voilà, juste après le Alvin. Alors, pour que tout le monde puisse tirer son épingle aussi du jeu, de sorte que le bilan que nous allons faire après le, voilà, le bull market de 2024-2025, alors nous allons pouvoir vraiment dire que pas mal de jeunes et voilà, africains, voilà, et même au niveau de l'Europe aussi, voilà, ont pu tirer leur épingle, ils sont devenus pour certains millionnaires, pour d'autres même milliardaires. Tout ça est possible grâce à la crypto-monnaie, mais ça dépend aussi de quelle crypto-monnaie aussi tu mets dans ton portefeuille, parce que déjà, sachez que plus de 83 000 crypto-monnaies ont vu, voilà, comment appelle-t-on, aller directement, voilà, en brousse, sont allés au cimetière, voilà, 2014 jusqu'en 2024. Alors, vous devez comprendre que c'est aussi dangereux sans formation. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.